1, 2, 3. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les nouvelles missions de ce nouveau DLC de Rogue War sur GTA Online. Je suis avec Clément, mais malheureusement, vous ne l'entendrez pas puisqu'il avait une qualité de micro qui était trop pas bonne. Donc, du coup, je pouvais pas, c'était impossible. Vous l'aurez mal entendu, vous n'aurez pas entendu les sons correctement. Donc, on n'a pas le choix. Malheureusement, il m'entend, donc il pourra réagir en fonction des choses à faire dans cette mission. Donc, ça se trouve à l'ancien. On va dire coin de Trevor, il faisait sa drogue, donc on va découvrir ça vite fait. On a une petite cinématique, je vais vous passer, enfin vous enlever la cam et l'overlay, et on découvre tout ça ensemble, let's go. Si, il y a une cinématique, normalement oui, j'espère quand même. Ah, ça commence directement, première dose, bienvenue à bord. Donc on a le choix de la mission, normal, on peut pas choisir. On peut pas mettre en difficile. Donc tout est doublé en double RP, en double GTA dollar. Ok. Hop, invité. Et let's go. Bon bah let's go. Hein. Donc ici Ron, je me dirige vers Liquor Ice. Il y a une sorte de nouveau gang en ville. Ça pourrait poser problème. Je dis pas que j'ai besoin d'aide. Ni rien. Mais si j'ai un peu besoin d'aide quand même, on se retrouve là-bas. Donc dispo de 1 à 4 joueurs. Let's go. My friend, and he is extremely dangerous. Extremely dangerous? Yes, extremely. Yeah, I can tell you've seen some shit. Walked in here like it's a fucking tea party. Not a snitch, are ya? Know anything about the eggs on Mount Chiliad? Barbara! Right here, Jax! Hey! Right here! This is my personal physician. Lab Rat wouldn't go anywhere without him. Lab Rat, this is our new friend, Fresh Meat. Doesn't seem to know much about the eggs on Mount Chiliad. So what do you recommend we give as a first dose into the fucking truth, man? Me first, of course. Okay, well, as your physician, let's see, I recommend a baseline of cocaine. And then 5 big hits off of the pen. Only guy who can get a breakthrough DMT dose in a vape. And then some of the new phenethylamine my assistant's been working on to get your oxytocin levels right. And we'll finish with a little something I like to call snake sweat. Half mescaline, half scopolamine. Now that'll take you the rest of the way. Yeah, perfect. Dosage? Well, as your physician under the circumstances, I recommend a lot! Exactly my thoughts. Now, same for them. Ah, shit, I gotta restock. All right, walk with me. There's a guy by the name of Wade. Hey, he's in our troop. Really, really smart. He called me a few weeks back and told me the going was good here, and boy, was he right. It's got everything a human being needs to survive, from convenience stores to unregulated pharmacies, and nothing that we don't need. We're doing something big here. We gotta go. Chef is fucked up. This isn't some clinical trial, amigo. Your bro was balls deep into Lab Rat's special sauce before we could say the frickin' B word. Okay, whatever, but we gotta go. These crazies, they started their own gang war with the Lost. They stole a bunch of their bikes, their meth. It's not safe here.
This luchadora, she runs our wrestling league. BDKD, bro. Welcome to the troop. Troop Wrestling League? You're not gonna join these weirdos, are you? Hey, you strange little wiry man. Anyone can join the troop, okay? This is insane. I gotta wake Chef up. I can see you're a bottom line kind of person, so here it is. We're new in town, but we've got a plan. I want every trust fund baby, pinstripe suit, middle manager, snapmatic influencer, and public servant stripped to the waist in the LS River, huffing whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters! But Uncle Doug! But Uncle Doug! But Uncle Doug! It's those biker assholes, they're still in the RV! Fuckers, of course they are! Get all the people out of here! On it! Move, move, move! Mo! Help us get out of this and we'll cut you into the deal. Fuck up these bikers and get my RV back and it's Los Santos time, baby! Woo! Get over to the roof! Show me your butthole, fellas! Bon bah ça commence à la chapeau de roue, c'est le cas de le dire. Donc c'est quoi? C'est les Los qui attaquent là en fait? Donc, petit aparté rapidement pendant qu'on est en train de faire le ménage. Dax a parlé énormément de trucs en lien avec le mystère du monde Chiliad apparemment. Donc hâte de voir ce que ça donnera. Mais bon, c'est pas anodin qu'il en parle puisque Ron était toujours un perso qui tournait un peu autour de ce délire là, des aliens ou quoi. Il y en a encore un là sur la gauche. Enfin il y en a même qui arrive encore plein sur la gauche. Pourquoi il y a la meuf là, elle comprend pas qu'on est en train de se battre. Voilà, elle a compris, c'est bon. Ils arrivent de l'autre côté. Ils ont volé le camping-car du coup, donc ça veut dire qu'après on est censé reprendre le camping-car certainement. Je sais pas si on peut monter sur le toit. Je vais descendre en bas moi. Il y a Dax qui est là. Ah, on peut tirer par les fenêtres aussi. Bon bah tiens Yann, on va en profiter. Je crois qu'on a fait quand même assez mal au loss. Vas-y moi je vais descendre. Je vais aller en extérieur comme ça je vais directement les avoir de la route. Il a fait une grue là. Ah, la voiture, voilà. Wow, ok. Rejoignez Dax, il est là-haut, faut remonter. Il nous casse les noix, Dax. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, il est là. Faut de sacrées couilles pour oser venir ici. Si tu peux me ramener au camping-car, tu feras partie de la bande. Ok, bon, bah let's go, viens, frérot, si tu veux que... Récupérer, ok. Bah viens avec moi, frérot Dax, il me suit ou pas? Ouais, il me follow, c'est bon. Ok, donc je vais aller en bas, j'ai ma entity, je vais prendre la entity. Ah, il m'a pas suivi, Dax. Il est même pas avec moi, bon. Je vais aller vite fait... Ah, c'est de l'autre côté. Allez, let's go. Toi, Clément, t'es déjà parti, je te follow direct. On peut prendre un bateau pour traverser. Bon, vas-y, on va y aller en caisse. Hein. Ça va aller bien plus vite. Bon, pas mal cette petite cinématique et ce petit intro. Enfin, cette petite intro de mission. Franchement, c'est assez stylé. La cinématique avec Lucha, tout ça. Il y a aussi le Brat, là, le chimiste, un peu. On a vu Chef. Enfin, Chef. On a vu Ron, Dax. Pas mal, pas mal. Les dialogues assez intéressants. Ça prévoit pas mal de choses assez intéressantes. Et assez étonnant que Rockstar se mette à reparler autant en détail, je vais dire, du secret du monde Chiliad. À voir ce que ça donne. Le camping-car, il est où? Il est là. Wow. Tu feras gaffe, il y a masse monde. Hein. On est attendu de fou. Enfin, masse monde, ça va encore. Ah, quoique. Ça a spawn derrière nous. Bien wesh, c'est des motards qui venaient d'arriver. Vas-y, je pense qu'on peut monter dans le camping-car. Hop, hop, hop. Bien joué la cover. Allez, let's go. Son camping-car, il est comment? Il est juste rouge normal en fait, parce que derrière, il n'y a rien qui a changé. Non, il est juste rouge normal. Donc on va le ramener où est-ce qu'on l'a... Par contre, il faut le garder en bon état. On va le ramener où est-ce qu'on a commencé la mission. Il y a des bikers qui vont arriver, donc on va devoir faire...
faire usage de la force. Certainement. En face, il y a du monde. Ah bon, ils sont plus là. Plus de moto en face, il est plus là non plus. Bon, mission assez classique de GTA, on a l'habitude, on va récupérer quelque chose, tac tac, on fait la guerre, on revient. Hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir si on pourra récupérer certains éléments pour le labo ou je ne sais trop quoi. Ok. Hop. Il va monter par où lui? Elle va monter par là. Ah bah d'accord. C'est directement TP dedans. Bah vas-y, moi je conduis frérot, mais dis-moi il faut que j'aille, ok. Doit être situé en ville, certainement l'entrepôt, je pense. Donc on va faire de la freak shop. C'est le nom du truc, apparemment, de la drogue. C'est à 3 km. C'est où entre temps, Clément? T'as eu le temps de voir, toi? Dans la ville, non? Ah, y'a du monde. Genre, j'ai roulé dessus, il est pas mort. Oh, putain, avec sa moto, il vole. Mais elle est un peu barrée quand même, le dialogue qui raconte le Dax. Hein. Il en tient une sacrée couche, le frangin, je crois. Ok, oh oui, d'accord. C'est ouais, c'est le braquage avec Trevor, ouais, comme tu me disais. C'est ici. Oh, je suis de roue. Et voilà. C'est bon, t'énerve pas, Dax. Première mission réussie. On gagne 30 000 $, donc 33 110. Et 5626 RP. Et la mission est doublée. Donc ça veut dire que normalement on est censé gagner moitié moins de base. Et prochainement on gagnera moitié moins quand ça sera plus doublé. Ok. Ouais, mission terminée, écoute. Ok, donc le business c'est ça. Enfin c'est ça l'entrepôt. Et genre on peut rentrer dedans. Ok. Bon. Ah mais non, mais les refs au mystère du monde Chad c'est trop. Par contre on paye pas l'entrepôt. C'est une putain de bonne chose. Il y a énormément de références avec des tags de partout. Un petit coin d'armes. L'atelier d'armes vous permet d'acheter, de transformer certaines armes en leur variante MK2. Ah, on peut le faire gratuitement. Ok. Mais bon, tout ce qui est amélioration, c'est toujours payant. Ah, tu peux les passer en MP2 gratis. Enfin, en MK2, pardon, gratis, quoi. Ok. Pas mal, ce petit endroit, écoute. Bon, là, il y a quoi? Là, bah, il y a Dax. Là, il y a une petite pièce. On a vu le bras, là. Le gars, il est là. Ce hippie un peu fou, le cuisinier. Beaucoup de délire de catch. Joining the Lost, take. Chance, ok, plein de trucs, jeu de fléchettes, des conneries. Là, on a quoi là? Pour boire du whisky, on peut boire du Sky. Caméra de surveillance. Il y a sûrement beaucoup d'histoires qui sont cachées, hein. Connaissant Rockstar, c'est pas étonnant. Je crois qu'il y en a une d'ailleurs là, à droite. La petite pyramide là, avec l'œil au milieu, qui fait référence à tout le délire du monde Chiliad et tout. C'est stylé comme ça en. Avec la peinture. On peut sortir ou quoi que ce soit. Avec la peinture comme ça, rétro réfléchissante, là je trouve ça bien stylé. Là on a un atelier, je sais pas, ça sert à quelque chose. Peut-être qu'on peut modifier des caisses ici ou pas du tout. On peut pas modifier de caisses. Hmm. À voir, ouais. Ok, bon bah écoutez les gars. Première mission terminée. Là-haut on voit une petite référence au Bigfoot. Il y en a plein des refs, hein. Il y en a plein de partout. Même certaines qui vont être cachées, qu'on découvrira et je vous ferai peut-être une vidéo en temps et en heure. C'est tout pour cette petite vidéo, on se retrouve après pour la deuxième partie et ainsi de suite. Bien sûr. Et je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.